Relégeant, deuxième partie de journée, donc première partie de soirée. J'ai dit que je faisais un petit Towerfall Ascension, qui est également dans la liste des jeux du second décathlon. Donc deuxième décathlon. Voilà les nouveaux jeux sur lesquels on commence à s'entraîner depuis une petite semaine. J'ai soumis un temps sur Gremlins 2, j'ai soumis un temps plutôt pas mal sur Doom 2, même si j'aimerais l'améliorer d'au moins un ou deux niveaux. Je suis quasiment au max que je me suis fixé. Gremlins 2, je peux encore m'améliorer. Towerfall, je découvre. Devil Tifa, qui est censé aller manger, là, qui est toujours sur le chat, va aller manger et me rejoindra tout à l'heure à 20h. Et de 20h à 21h, il me fera un coaching de débutant. D'ici là, j'aurai le temps, je pense, de... simplement découvrir le jeu, faire les défis. Voilà, c'est 36 défis, c'est assez surprenant, décontenançant peut-être pour certains comme épreuve. Je pense que c'est un jeu qui est pas évident, il y aura beaucoup de menus. Et oui, alors... oui, le sub 15, j'y arriverai. C'est à peu près sûr sur Gremlins, là, je le sens bien. Alors par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Tifa a posé une question. La grande finale, les modalités ont... Enfin, la modalité, il y a un tout petit truc qui a légèrement changé. On éclaircira ça, dimanche. La finale, c'est le mémoire le 27 février. Je vais carrément les vérifier, puis tout ce que vous me posez la question, autant que je vous réponde, pas que je fasse une approximation. Ce serait bon. À la base, c'était deux samedis différents, avec deux poules. Finalement, il y aura quand même... il y aura deux groupes de gens, mais vous serez... Ça n'a pas changé. Tout le monde sera noté. Il n'y a qu'une seule grosse poule, si vous voulez. C'est juste qu'on a envie de streamer tout le monde. Enfin, 8 personnes et 8 en backup. Alors, je regarde ça. La grande finale... Le 27 et le 28 février. Comme ça, c'est samedi et dimanche. Plutôt que faire deux semaines d'affilée. Voilà, comme ça, ça permet peut-être à des gens qui ne sont pas disponibles samedi d'habitude d'être disponibles le dimanche. On s'est dit ça, et ça vous laissera du coup un petit peu de temps pour... on fera un tournoi détente, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de moyens de se qualifier à la grande finale, et normalement c'est sur deux jours, donc suffit que vous participiez à une seule des deux journées, c'est cool. Vous êtes bien. Allez, on va se lancer Towerfall. Alors, est-ce que vous voulez qu'on laisse la musique baroque ou que je laisse la musique du jeu un petit peu ? Moi, ça me dérange pas. Non, non. Il y a 8 runners, il y a 8 personnes qui run le samedi, 8 personnes qui run le dimanche. C'est tout le principe. Voilà, je me racle un peu la gorge, désolé, je vais couper ça. Ok, on va laisser la musique du jeu, on remettra la musique baroque tout à l'heure. Clérambeau, c'est vraiment sympa. Oula, je pense qu'elle va être très très forte la musique. Ok, alors on va couper, on enlève la musique évidemment. C'est parti. On passe en mode full screen parce que voilà. Et ben nickel ça. Bon forcément. Ok, bon ça va aller comme ça. Très très bien. Ok. Allez, on découvre. On mettra un chrono après. Quoique non, je peux mettre un chrono dès le début, ça va être rigolo. Bonjour à ceux qui arrivent en tout cas. Je vais juste faire close split. Et je vais faire un create split, edit split.
C'est tellement court, je sais même pas si j'ai besoin d'un split en fait, techniquement. Deux, trois, quatre. 6 fois 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va delete. Ok. Et bah, ça a l'air pas mal, ça. On va mettre les trucs sur la manette. Rah, il prend pas mes trucs de manette. Mais quelle horreur. Il les prend pas tout le temps. Et il a décidé de pas les prendre, là. Ok. Allons-y. Parfait. Alors, bro. Le ratio d'image est pas tout à fait correct. C'est un peu étiré. En fait, je peux le mettre comme ça, sinon t'as Warfall. Comme ça. C'est un peu moins étiré. J'ai que le 4 tiers. 4 tiers ou 16-9. Ce sera un peu plus correct comme ça, si vous voulez. Si ça vous va, ça me va. Allez hop, on est parti. Ah, j'ai le OK. Alors, ils ont les mêmes stats, les bonhommes, hein, évidemment. Alors voilà, les challenges, plus les challenges bonus, les Dark World. OK. Alors on split quand on lance les challenges, j'imagine. Ou quand on choisit son bonhomme. Je sais pas trop. Alors ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, je vais me chronométrer, même si c'est qu'un let's play au départ. Parce que moi, je trouve ça toujours rigolo d'avoir un premier temps contre lequel essayer de battre, en gros. Pour l'instant, ça va être calamiteux, mais... Ok, parfait. Allez, c'est parti. Ah merde, on a un petit dash, ok. Ah, il y en a un autre là-bas. Ok. Merde. Ah, le bonhomme peut s'accrocher. Voilà. Ok. Ah, on peut remonter sur leur tête aussi, c'était pratique ça. Ah merde. Ah, on a un wall jump, ok. Allez. Putain alors. Comment on monte là-haut? Ah non, on peut lui balancer une petite flèche. Ah d'accord, ok. Deux fois mon endroit, quel gland. Parfait. Ah ouais, mais là je suis mal là. Ah, j'ai plus de flèche là, bah. Je vais te recommencer, c'est ça? Ok. Quel gland! Merde, saleté. Ah, je devrais peut-être faire pas avec la croix en fait, ça plutôt. Ah, j'ai plus de flèches, ok. Ok.
Ah non, mais non, mais maintenant je peux resume map. Un saut pendant un dash accroupi permet de faire un jump en plus. Un saut pendant un dash accroupi. Ah bien. Ah bah normal, il s'entraîne parce qu'il va me coacher tout à l'heure, donc... Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas crever dans ce jeu. Enfin... Pas comme ça en tout cas. Ok, on verra les techniques avancées tout à l'heure, pour l'instant je... Ah, c'est une flèche explosive j'imagine, ok. Next. Oh là là. J'avais dit qu'on pouvait pas crever, c'est ça. Ok. Bonjour à ceux qui arrivent. Je m'entraîne, enfin je débarque, j'apprends tout juste Towerfall hein, pour faire les challenges. Ouais, cool ça. Sub 25 Easy Portal, d'accord. C'est le raid de Cladol. Salut Cladol. Et bien joué. Ah, ok. Ouais, très utile ça. Saleté. Saleté. Non, Portal normalement est vachement plus simple. J'ai déjà fini hein, Portal. Je l'ai déjà fini à l'époque moi. Donc. Enfin à l'époque, voilà. Sérieux, des ailes on a dans ce jeu. C'est ouf. C'est trop cheaté les ailes. Ah, il faut s'y coller. Ça va, Towerfall, je sais que je ferai pas des miracles parce que c'est dur de faire des super trucs, mais c'est rigolo. J'espère que ça va pas être trop pénible, ça se fait bien, mais après ça va être du... J'espère que dès le début même pas... Si faire sub 10 c'est déjà du grind, c'est vrai que ça va être relou, mais... J'espère qu'au moins, voilà, c'est un petit peu gratuit. Hein. On verra bien. Hein. Sérieux ?
Putain, c'est dur. Laser arrow. Ah d'accord, ok. Ok. 5 minutes. Voilà. 5 minutes pain game time, hein, real time, c'est ça qui est le plus dur. Donc il faut faire des menus de taré quoi. Ah merde. Ah ça rebondit comme flash, c'est cool ça. Laser ça fait des rebonds, ok. Ah, on a qu'une seule flèche. Ah, c'est ballot ça. Merde. Ok. Ah merde, il y a une flèche spéciale ici, ça doit être, j'imagine. Ça passe à travers le bois. Ah non, ok, non, ça fait ça. Ah merde, il reste un petit bonhomme là-bas. Ah ouais, mais c'est sur lui que j'aurais dû utiliser ça. Mais forcément, j'ai réussi du premier coup. Oh la chance. Ah merde, ça nous tue aussi. Je m'en doutais, hein, mais il fallait que j'essaye. Il fallait que j'essaye ça, évidemment. Ah, ça fait bizarre de pas avoir de double saut. Ouais, le dash, je vois ça, le dash, ça fait double saut, enfin. En sautant, puis en dashant vers le haut, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. On peut dasher vers le haut aussi. Ah, c'est mortel, ça. J'avais pas fait gaffe, c'est vrai que moi, je dashais bêtement, mais... Ah ouais. Thank you.
Ah ouais, c'est pas mal ça. Il en faut plus. Alors, next trail. La petite musique pour nous entraîner, elle est rigolote. Je sais pas ce que ça fait, ça. Forcément, ça c'est mauvais. À mon avis, je vais pas pouvoir finir là. Ah, ça nous tue aussi ça, putain! Dash, puis gauche ou droite, puis saut, ça fait un super jump. On va tester ça. Ah, faut que je fasse la croix, alors. Merde. Merde. Ah, j'ai réussi à le toucher lui, c'est cool. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on apprend le jeu assez vite. C'est le crouch dash. C'est ça, un truc comme ça? Merde. Comme ça, c'est ça le super jump? On peut aller loin, ouais. Oh, les drills. Ok. Merde. Oh, putain, la vache. Bon, c'est des blocs qu'on peut pas péter, ça? Ok. Et il y a des blocs, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut... Ah mais il est trop tard du coup, faut que je recommence.
Ah merde. Ah merde, je l'ai pas pris. Bon. Et c'est la tête chercheuse en plus. Next. Là, on apprend ça, ok. Ah, toutes les flèches sur la tête chercheuse à une certaine proximité. D'accord, ok. J'avais même pas fait gaffe, j'y ai joué qu'un tout, vraiment, j'avais joué 10 minutes, quoi. Dans le cadre d'un défi du challenge, je crois. Il me semble que c'était à ça qu'on avait joué. Ou alors c'était pas moi. Il me semble que si, mais... J'ai un léger doute, mais... Bon, ok, c'est piteux, ça. J'ai réussi à en mettre... d'en encastrer deux dans le mur, c'est pas mal, hein. À chaque fois, je crois qu'en prenant un coffre, ça le prend. En fait, ça l'ouvre et ensuite, il faut prendre le contenu du coffre. Il y a un passage secret, là. Non, par contre, les musiques de jeu, souvent, ça me... Vous, elle est pas trop forte pour vous, parce que moi, ça me fatigue, mais hyper vite, quoi. Toute la luminosité et la musique des jeux, c'est sympa, mais... Sérieux. Essaie de passer dans la salle en bas à droite en passant par la gauche. Ah ouais, c'est vrai que j'ai... Ah, il le fait automatiquement se baisser. Oh, ça va, c'est... Il fallait se baisser, c'était une trouvaille, mais en fait pas du tout. Ouais, par ici, moi. Ah, j'aurais dû faire vers le bas. Ah oui, pardon, ça c'est parce que j'ai un... je vais vous montrer, je peux enlever mon chrono. Je voulais écrire qu'à la fin, je mets un chrono indicatif pour moi, mais effectivement il est sûr. Ok. Ah ouais, il faut faire des gold et après il faut faire des diamants. Ah bah dis donc. Ah, c'est pas évident ça, effectivement. Bah la phase stratégie, j'ai même pas trouvé une autre stratégie en fait, c'était la seule stratégie, non? Allez, Death Time, ouais, c'est ça. Quelqu'un m'en a parlé, moi.
En fait, c'est pareil que bronze, argent, or. Hein. C'est juste que là, la première, c'est or, ensuite diamant. Et ensuite, c'est des temps d'Ève. Voilà, histoire de dire quoi. C'est rigolo. Ah, j'arrive pas à passer par là. Il y a 120 inscrits, mais une cinquantaine de gens très actifs. Un truc comme ça. Sur le deuxième décathlon. D'ailleurs, à un moment, on peut faire une petite pause. Putain, il est déjà là. Putain, mais l'heure passe trop vite. Que Tifa va moins, j'ai même pas fait le jeu une fois encore. Faut que je sois sérieux quand même. C'est vraiment épique. Putain, faut faire 9, c'est du délire. Map. Ah merde, j'ai pas chopé la bonne version de Towerfall. Ah putain, j'hallucine, je l'ai acheté exprès en plus. Je me suis planté de version, j'ai pris... Je crois qu'il y avait le DLC dedans, j'imagine que c'est un DLC à la con. Ah, j'ai même pas... Je pensais... J'ai même pas cliqué dessus tout à l'heure. Parce que là, ça doit pas faire 36, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16, 24, youpi. Bah, je vais faire un 24 challenge en attendant, moi. Parce que là, ça me... Bon, bah, oui. J'ai pas les Dark World. En fait, Violet, je pensais qu'il se... Ah non, c'est juste, je les ai pas débloqués. D'accord. Ouf, j'ai eu peur, là. Je me dis, je croyais que je m'étais trompé, j'étais écœuré, quoi. Ok. Ah, il y a un cheat code pour tous les débloquer. Tant mieux. Ben, je ne sais pas. Je pensais qu'il se débloquait dès qu'on avait fait un temps... correct. Ok, alors faut aller au screen des crédits. Voilà. Le Google Doc reste. C'est pour les autres joueurs, c'est pas pour moi. Alors du coup, débloquer tous les niveaux. Bah oui, non mais en fait j'avais juste pas prêté attention à ça en fait. C'est pas très grave. Hein. Alors, left, right, tab. Oh, c'est relou à faire. J'espère qu'il faut pas le faire vite. Tab. Shift. Up, up. Down, left. Shift. C. Ok, parfait. Ah oui, mais j'ai pas le Dark World à faire, c'est ça, c'est les trucs cachés, c'est ceux-là. Ok, voilà, parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 36. Ah bah voilà, on va reprendre le chrono où on était. Ok, c'est parti.
Quel blaireau. Voilà, bonjour à ceux qui arrivent, c'est à Warfall Ascension. Moi, je m'entraîne pour le deuxième décathlon. Ça va pas être le jeu le plus facile pour moi. Mais au moins, ça a le mérite. Il y a des petites médailles et tout ça. C'est cool. C'est quoi ça? Bolt Arrow. Ok, un truc de foudre. Ouais. Je vois pas ce que ça change. Hein. Sérieux. Sérieux. Je trouve ça très très perturbant, dis donc. C'est encore plus téléguidé. Oh mais c'est archi cheaté ça. Pff, c'est n'importe quoi. Ah les flèches du skill. Voilà. Merde. Quel blaireau. Non, en fait, non, c'est nul ça. Ah oui, pour ceux qui sont dans l'ultime décathlon, je conseille d'aller voir la vidéo de Cladal. Il montre comment facilement faire un sub 25. Donc, si vous voulez pas vous laisser dépasser, on rappelle un Cladal premier de l'épisode 2. Donc, il est hyper chaud pour le prochain tournoi. Merde. C'est quand même des temps hyper chauds, quoi. Normalement, à la fin du coaching, je fais un super temps, Cladol. Ah mince. Ah merde. Ah c'est vrai que toi Tifa qui a pas envie de bosser Doom ou qui te sent pas, tu vas peut-être te faire distancer sur cet épisode avec, avec Doom. Hein. Le Cladol, il a ses points à l'épisode 1, il fait des points à Doom, donc on, mon avis là, il est plutôt bien. Hein. C'est pas juste, bah. Si c'est juste, hein, y a différents jeux. Hein. Allez, on va essayer de faire.
Ah, il y a quand même un paquet de niveaux dans ce jeu, hein. Waouh. Ok. Oh la vache. Ah merde, j'ai pas pris. Putain, quel blaireau. Mais le blaireau, mais c'est pas vrai. Ah non, c'était encore une flèche explosive, ça. Merde. Il est très court ce speedrun, c'est entre 5 et 10 minutes parce que là c'est l'apprentissage, mais. Pff, c'est là pour le coup, c'est énormément de par cœur. Quoi. Pff, oh là là. Ça va être moins pire que Ninja Gaiden parce qu'il y a du par cœur et de l'adaptation. Et je trouve que Ninja Gaiden ça va être encore plus du par cœur. Bon, on pourrait toujours dire que non, il y a de l'adaptation quand t'as pas les armes, mais en gros t'es mal barré. Alors que là, tu peux toujours. Tu perds pas beaucoup de temps à ne pas faire la stratégie optimale. Voilà. Ça fait deux jeux quand même, voilà, j'ai avoir du mal. Hein. Mais encore, le gameplay est sympa, c'est rigolo ça. Moi, je me suis barré, j'ai bien fait. Non, mais je suis vraiment con, sérieux. C'est pas vrai, comment j'en fais? Alors, faut vraiment. À la limite, je vais d'abord. Mais quel gland. Enfin, moins de 5 minutes, faut pas exagérer quand même. Bah, je sais pas, je connais pas la strat en fait, j'apprends donc j'y vais un peu au pif, putain. J'y vais au pif pour l'instant. Ah ouais, non, mais ça c'est horrible, hein, ça va être vraiment affreux. Hein. Franchement, ça va être. Je suis mal barré là maintenant. Non mais sérieux? Ah, ça va être assez violent les. Mais rater le mannequin, c'est le truc automatique, c'est pas de ma faute, hein. Je trouve ça juste, je suis halluciné. Rater la scie, en fait, parce que j'ai pas fait, en fait, c'est. Vous vous doutez que c'est pas moi qui l'ai raté, quoi. C'est le truc automatique, il y a une espèce de. Quand on est trop collé à une cible, il met une direction. C'est bizarre.
Mais il est pas dur ce niveau, c'est une blagounette quoi. C'est... Il est beaucoup plus simple que ceux d'avant. Voilà. Donc j'ai fait 36 minutes les gens. Et voilà, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu, waouh, trop fort. Alors je rappelle, à 21h je ferai une pause. Parce que Cladol va me rejoindre à 21h30 pour apprendre le speedrun de Portal. Et tout à l'heure, Tifa va me rejoindre pour me donner des astuces de débutant. Il va me rejoindre sur Mumble, donc. Voilà. Donc quand il me rejoindra, voilà. Je me mets en off. Ah, t'es déjà là, Tifa. Voilà. Ah bah oui, non, c'est vrai que là, j'ai mis 36 minutes, je suis super content. Là, 36 minutes, c'est un beau temps. Ça va être facile à battre. Alors par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de menuing, hein, quand même. Waouh. C'est un truc de fou. Ah ouais, j'accroche à un coup de barre. Hein. Alors, je voulais regarder un truc. Est-ce que vous mettez des splits sur Towerfall, du coup, vous? Non, c'est 21h30 même, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, chaque restart, chaque level pour passer les intros? Ah ouais, ah bah ça y est, Tifa est arrivée. Du coup, alors je vais couper la musique du jeu, parce que là, elle est sympa, mais voilà, ça me tape un peu sur le système. On va être comme ça, de la musique plus apaisée. Alors, comment vas-tu? Moi ça va, et toi? Ça va, là c'est... Pour l'instant, c'est une bonne semaine, puisque là, je sens qu'avec les quelques conseils que tu vas me prodiguer, je vais faire sub 10 assez rapidement, avant 21h. Quelques conseils. J'ai voilà. Pas trop c'est le jeu. J'ai fait avec la vidéo, j'ai fait les techniques qu'il fait, mais ouais, j'ai pas essayé d'optimiser. Ouais, mais c'est, ça suffira. Je vais pouvoir battre mon 36 minutes, tu penses? Oui. Largement. Bah, j'espère. C'est clair, là, je le bats pas. Ok, je vais mettre un autre truc en fond. On va reprendre où on en était. Voilà, c'est plus sympa parce que là c'est un peu fatigant. Pour apprendre, je préfère mettre de la musique qui est autre que la musique du jeu, quoi. Ouais. Sinon, c'est vraiment vite relou. Alors bon, alors on y retourne, on remet ça. Hop là. Je vais lancer le jeu à côté aussi pour m'en mettre dans les doigts. Ouais, carrément. Alors le truc, c'est que quand on fait, il faut remettre la sauvegarde à zéro quand on... Alors non, il n'y a pas besoin de remettre à zéro. Ce sera juste pour les tournois, je crois que Twin nous avait dit qu'on fera ça. Ouais, c'est mieux de faire ça. Mais après, non, pour un entraînement, t'as pas besoin. Oui, non, bien sûr, ouais, ça paraît logique. Mais en tournoi, ça me paraît nécessaire. Ah, il y a des objets à ramasser partout. Ah, j'ai eu... Ouais, il y a des objets cachés. T'en as eu un triangle doré. Ah, il y en a un par niveau? Non, il y en a une vingtaine, je crois. Je sais plus. Ah, oh, bah c'est quand même un petit paquet. Eh ben, on est reparti. Est-ce que t'as besoin... Non, t'as un petit retard. Est-ce que t'as besoin que je partage mon écran? Ce qui est le mieux pour toi. Je sais pas si ça te fait ramer après ou pas. Ça devrait aller. Mais c'est à toi de me dire. Bah, ça dépend du retard que t'as, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je suis sur les défis. Et là, je suis retourné à la sélection des personnages. Ouais, là, t'es en train de naviguer dans les niveaux. Alors dis-moi quand je suis à la sélection des personnages. Ah, il y a un gros délai quand même. Hein. What? Il est toujours pas? Ah non, là ça y est, là tu y es maintenant. Oh non, mais il y a trop, c'est n'importe quoi. Ok, d'accord. Ok, pas de soucis, on va aviser. Bah, je vais plutôt t'appeler sur Skype et je vais partager du coup
Je vais partager l'écran, ça va être beaucoup plus simple. Ok, ça marche. Je vais muter Mumble, parce que là, c'est du délire, là. C'est juste pas possible. À tout de suite. À tout à l'heure. Hop, on va aller plutôt sur Skype. On aura moins, je pense... Voilà. On a peut-être le temps qu'il se connecte. Chez moi vite fait. Ah. Voilà. Voilà. Re, hop, et on va te partager l'écran. Skype. Appel. Partage d'écran. Démarrer. Parfait. Okay. Ok, alors je vais mettre ça en grand. Ouais, en plein écran. Là, c'est mieux. Voilà, là, je vois le jeu. Normalement, c'est... il y a très peu de délai. Là. Ok. Ok, c'est parti. C'est bon. Genre remets ici. Alors, on s'en fout du bonhomme. Il m'a pas. Ok, parfait. Hop là. Alors, donc voilà, donc, pour commencer, donc tous les niveaux, il faut commencer par faire start et restart niveau. Alors, ça va être un jeu où il y aura beaucoup de menuing. Ah ouais? Ah oui, c'est vraiment... Ah oui, sinon on se tape le truc... Sinon tu tapes voilà, l'explication de début, le score qu'il faut faire... Donc dès que tu lances un niveau, tu fais start, restart, et ça te lance automatiquement le niveau. Oh la vache, sérieux. Voilà, et ça sera à faire pour chaque niveau. Et à chaque fois que tu termines un niveau, dès que tu as une lumière blanche, tu as un petit son qui te dit que t'as terminé, à ce moment-là, il faudra faire start et map. Pour changer de niveau à la main, parce que sinon tu as le résumé de la fin de ton niveau et oh la vache, ça prend du temps. Ah oui, dans ah ouais, d'accord. C'est vraiment un jeu du menuing. Oh là là, le start start et le start menu, mon dieu, trop tard, restart. Je me suis planté. Alors là, voilà, donc là faut sauter sur la tête des deux. Quand tu tombes, il faut que tu arrives à tirer sur les deux qui sont à gauche et à sauter sur la tête de celui. Quand tu vas sauter dans le trou. Voilà, ça va te faire arriver par le haut. Voilà, ça te fait, tu sautes sur lui où t'étais à droite et tu tires deux flèches sur ceux qui sont à gauche. Deux flèches. Ouais, voilà, enfin une flèche par manoc. Et après, normalement, t'as juste à aller à gauche parce que t'as un passage sur le côté et tu peux directement tirer une flèche plutôt que de faire le tour par le bas. D'accord. Alors je rebondis, hop, je descends, voilà. Bam, descends, pam. Sur lui, les deux. Normalement, voilà. Je suis censé les avoir tués quand je suis en bas. Voilà. Là. Il faut réussir à tuer les deux, et alors soit tu tombes, et alors là tu fais le tour par la droite, soit t'es encore en haut et tu tires une flèche vers la gauche si t'arrives à toucher le mannequin. Voilà, ça c'est un bon temps. Là ça c'était cool ça. Ah ouais, j'ai fait 9-4, c'est 7-5 l'or. Ouais, les... Ah mais il faut le restart les du or, coup. Encore les or ça va, ils sont pas très durs à voir, c'est surtout les perles. Oh putain, j'ai des ralentis, un truc de malade. Pourtant, c'est pas un jeu hyper gourmand, faut pas pousser, quoi. Ouh, j'ai des ralentis, je sais pas si vous les voyez, vous les ralentis, mais... Non. Pas de chance. Ah. J'ai vraiment du mal avec le wall jump, par contre, attends, je vais pas les faire sans cette fois, mais ok, je comprends le principe, ok. Ouais, c'est vrai que c'est un truc de malade map. Alors sur le premier par contre, je sais pas si j'ai fait la strat optimale, j'ai fait un truc du pif. Le mieux c'est de commencer de tirer vers le mec là-haut comme ça. Ah. Allô. Ouais, t'avais une déco peut-être. Ouais, ça, je pense que ça vient de chez moi. D'accord, ok. Ma connexion est vraiment pas top en ce moment. D'ailleurs, je vais me couper de ma bulle. Ouais, j'ai un screen à 3 setups. J'ai un setup à 3 screens, 3 écrans, d'où le fait que ça. Mon jeu a peut-être un petit peu de mal.
Ouais, j'ai l'impression que ça lag un peu, ouais. Alors du coup, moi j'ai plus de capture vidéo. Ah ouais! Ah, ça a coupé, c'est pour ça, je te le remets. Pas de soucis. Ouais, ça a dû couper, je te le remets. Y a pas de soucis. Voilà, comme ça. Ok, d'accord, je comprends. Alors déjà, putain, mais c'est des flèches à tête chercheuse, c'est un truc de malade, quoi. Ah, les... D'accord, les... Pas de chance. Voilà, donc on va commencer par tuer celui qui est en haut, après c'est tuer... Voilà, t'aurais dû garder une flèche pour celui qui était en haut à droite. Ouais. Normalement voilà, c'est... Tu commences par celui qui est en haut à gauche, t'avances, tu tires une flèche pour tuer celui qui est tout en bas à droite, tu te laisses tomber dans Merde. le trou, tu tues celui qui était en haut à droite. Merde, j'ai pas remis. Bon, putain, j'ai plaireau. Le 3, voilà. Non, Alors c'était bien le ici, 2, putain. Attends, mais c'était lequel que je faisais là? t'es en train de faire le premier, le tout premier niveau. Ah, c'était le premier! D'accord, ce que je suis en train. Ça m'a Pas perturbé. celui que j'ai vu, c'était le premier. Ah ouais, c'était le premier, exact. Ah, et Je je. sais pas si c'était celui où ça avait coupé que tu voulais C'est reprendre, je ça. sais. Voilà. Ah, d'accord. On fait ça. Voilà, normalement t'avais pas besoin de monter, c'était juste réussir à tirer pendant que t'étais en chute libre en fait. C'est-à-dire, je tire une flèche, ça passe à travers la chaîne, du coup? Oui, faut juste pas qu'elle tape la lanterne, faut qu'elle passe la chaîne, mais il faut pas qu'elle touche la lanterne. Voilà. Ah, Ah merde! dommage. Dommage. Et en gros, je tire celui là-haut et je saute sur l'autre, ok? Voilà. Ok, pas de soucis pour ça. Ah, par contre, quand le truc arrive, il est trop tard pour faire un... Oui, c'est pour ça, dès que t'as la petite lumière blanche, faut directement Ah ouais, putain. penser à Alors toi, tu où joues elle à la marque. croix ou au stick? Moi je joue à la croix. Ok. Après, je sais qu'il y en a qui jouent, je crois que c'est Millet, il joue au stick. Après, je pense que c'est plus une question de préférence que. Alors là, moi, ce que. Alors, je sais plus. Oui, si, c'est ça. Donc, le premier, donc tu l'as shooté avec une flèche qui était en haut. Après, il fallait sauter sur le petit. La plateforme avec 4 carrés. Ah ouais, faut carrément sauter sur la mini plateforme là. Ok. Là, pour ensuite pouvoir sauter sur les. Sur les. Sur ceux qui sont en l'air. T'en as deux, voilà, qui sont en l'air. Et après, t'as plus qu'à faire, voilà, à tirer ça, Ah et le merde. dernier à sauter dessus aussi. D'accord. Ah oui, il est pas facile ce niveau à bien faire. Ça se Voilà, joue c'est... en très peu de temps, quoi. Oui, 3-8, la perle, par exemple. Voilà, c'est vraiment réussir à tirer sur ça, faire des dashs pour sauter sur la tête des empaillés, et ensuite sauter sur le dernier. J'ai fait un gold! GG. Voilà, c'est trop cool! C'est trop cool ça, je suis content. Ah, c'est bien ça. Bon, le gold. Gold, ça veut dire. Ah ouais, j'ai même pas fait des golds sur les premiers! Je crois pas. Ah, mais ça veut dire c'est pas du tout intégré quoi. Le minimum, c'est de faire un gold en gros quoi. Théoriquement, on est censé faire un gold Ouais, quoi. je pense que les golds, c'est minimum à avoir. Minimum. Enfin, oui. C'est vrai que ouais, j'ai beaucoup train avec la vidéo ralentie, et c'est vrai que ça va être pas mal à voir, même les perles bleues, ça Ok. arrive à en avoir quand même plusieurs. Ah bah voilà, le gold, hein, dès qu'on a la tactique, ok, ça Voilà, descend. tu vois, et t'es vraiment pas très loin, t'es à 700, 7 dixièmes de la perle, là. Effectivement. Hein. Voilà, donc là, sauter... Ok. Putain, par contre, avec le ralenti, c'est très dur. Revérifier la vidéo pour être sûr qu'on y va 2. Comment il fait? Ah putain, mais j'ai des ralentis de malade. En même temps, le chrono peut-être ralenti aussi, hein, tu me diras. Ton chrono il tourne plus là je crois non? Non, mais je l'ai pas mis. Là, je m'entraîne pour l'instant. J'apprends le D'accord dunning. oui. Oh non, C'est là, je. normal hein. Au Non, non. Même moi, ça début m'arrive faut de vraiment pas faire des travailler trails chaque niveau chronométrés. et... Et alors sur la Putain, c'est le dé. vidéo... Il fait déjà... Ah oui non, en fait sur la vidéo il fait autre chose. D'accord. Je vérifie si c'est bien ça. Ah ouais, c'est complètement différent. Alors en fait, ce qu'il fait dans le niveau 2, si je te vois toujours, c'est il commence par faire un saut donc vers la droite et en même temps il tire en diagonale en haut à gauche, dans le petit trou. Et ça atteint l'épouvantail qui est tout en haut à droite.
Dans le je sais pas si tu vois dans ce le que je veux dire. Dans le petit trou, tu veux dire celui qui est en haut à droite se fait toucher. Voilà, celui qui est en haut à droite, quand tu sautes vers la droite et que tu tires en haut à gauche. Non, celui qui est de l'autre côté du mur en fait. Ouais, j'entends bien. Quand tu tires à gauche, du coup, bah, ça va passer en dehors de l'écran et ça va repasser à droite. Ah oui, d'accord. Et alors c'est là où c'est où le jeu, je le trouve un peu. Voilà, wow, ça fait comme ça et il faut réussir à le toucher. Ça, c'est la fast trot. Et alors c'est là où le jeu, je le trouve difficile à manier, c'est qu'il faut que tu te déplaces, que tu vises avec la même touche pour tirer, et qu'en plus tu décales pas trop ton tir, parce que sinon ton tir il part sur le côté ou en l'air. Ah, mais c'est et tu d'ailleurs restes pas appuyé sur la diagonale. Non, parce que sinon t'as la strat un peu plus longue, je suis sûr que je peux faire un meilleur temps avec ça quand même. En faisant ça, ça reste déjà... Ouais, c'est ça, j'imagine que je vais faire un meilleur temps rien qu'en faisant ça. Tu vois ? Ouais. Même en piffant un truc comme ça, c'est bon, j'aurai le gold. Et d'ailleurs, même pour descendre plus vite, quand t'es en l'air, tu restes appuyé sur bas et ça fait accélérer la chute. Ah ouais ? Ouais, ouais, il a une animation comme s'il tombait plus rapidement. D'accord. Ah si, normalement les dons, sont, enfin les donates, tout ça, c'est censé apparaître, sauf si mon bot est pété. Dès que j'ai fini le niveau là, je vais aller regarder Nimiflip. Si tu poses la question, c'est... je peux te dire merci, c'est que t'as fait un don. Mais... Ah, dommage, tu l'avais presque. Je pense, ouais, parce que du coup, t'as pas besoin de te préoccuper de celui qui est. Enfin, celui que tu fais en premier, du coup, il est plus long à aller chercher quand tu le fais en dernier. Waouh, parce que putain, ça, c'est un truc de malade, hein, ce saut. C'est ça, faut commencer directement avec un saut sur le côté, plus tirer en diagonale à l'opposé de là où tu vas. Et réussir à viser dans le trou et réussir à toucher. Ah en non, mais y a même plus rapide en fait une strat de noob. Ah, je vois ce que t'as fait. Je suis sûr que... Ah, c'est pas plus rapide, mais à peine. C'est l'impression de trace de nous. Après, t'es allé chercher celui qui était à droite pour lui sauter dessus. Peut-être si t'arrives à lui tirer dessus, tout simplement. Ça t'éviterait d'aller le chercher. Et après, tu sautes sur les autres. Ouais. Oh putain, c'est vache. Ça, c'est une trace de noob. Ok, je tech. Mais bon, c'est quand même pas mal. Hein. Ça peut faire une bonne backup pour les races. Ouais, c'est clair. Je pense que les races, les grosses fast strats, on va pas toutes les passer. Hein. Ah ouais, ça va être... Ici. Alors, je prends juste 2 secondes. Alors, comment ça se fait? Normalement, j'ai... Mes bots sont allumés... Ça me paraît vraiment curieux, ça... Attends, je vais tester une commande juste sur mon bot, là. Il est là, lui, y a pas de souci. Ok. Bah si, il me dit que mon bot, théoriquement. Il y a peut-être eu une alerte, mais juste visuelle. Ça me paraît vraiment bizarre. Elle est là. Mon bot dit qu'il fonctionne. Mais après, il y a eu une mise à jour, donc... peut-être que... Ouais, je ne sais pas. Nimi Flip, du coup. Ça me paraît vraiment bizarre. Je ne sais pas, donc... Désolé. Ok, ah bah c'est cool, en tout cas. Là, je suis vraiment content. Ok, c'est parti. Alors ce niveau, c'est lequel? Le 2. D'accord. Alors ce qu'il faut faire, voilà, c'est commencer à tirer dans la boule violette qui est à gauche quand tu sautes. Enfin, tu sautes, tu tires dans la boule, voilà, ça tue l'épouvantail. Là alors, aussi, j'imagine. Celui-là. Parce que les niveaux sont vraiment très courts, c'est très difficile à retenir. Surtout quand tu lâches le jeu une journée. C'est clair. Je me mets dessus rapidement. Retrouver le niveau. Ok. Voilà, c'est ça. Donc il tire. Donc ok. Il tire donc dans le sur la boule qui est à gauche. Ouais. Et ensuite il fait ce qu'on appelle, enfin ce qui s'appelle un super dash. C'est en gros. Alors, je fais bas. Je pense que c'est un super dash.
Ça veut dire Alors, je fais bas, dash et saut après? ça, je sais pas le faire, le truc avec bas et saut. Mais en fait, quand t'as deux boutons pour dasher, t'as la gâchette de gauche qui te permet de dasher. Et Ouais. quand t'arrives à faire les deux en même temps, ça te fait un dash encore plus loin qu'un dash normal. Ah putain, il cumule les dashs! J'ai l'impression, ouais. Et alors du coup, quand tu fais un long dash, quand t'arrives à en faire un et que tu sautes derrière, ça te fait sauter assez loin. Et Ah, alors t'as... le truc à faire, c'est en fait, tu commences, tu tires à gauche pour tirer dans la boule, et ensuite tu fais un dash à droite. Et alors ce que le mec il fait, il tire en l'air pour tuer les deux. Il tire Ouais. une flèche par épouvantail, et il atterrit sur la boule violette qui est à droite pour la faire tomber sur le... Wow. Ah oui, c'est violent. Donc après, Et toi, tu le termines, tu le fais pas comme ça? Ah, j'ai un peu de... enfin, non, j'ai un peu de mal à faire ce dash. Mais voilà, faut tirer une fois à gauche, sachant que t'as trois flèches, faut que tu gardes une flèche par ennemi qui est en haut. Et le dernier qui est à droite, tu sautes sur la boule ou tu lui sautes sur la tête, c'est comme tu préfères. Ah putain, ça tire pas assez haut. Ok, d'accord. Ouais, faut sauter, sinon ils sont trop hauts, les ennemis. Ah non, on voit, ouais, c'est ça, quand il y a de la poussière blanche, on a réussi un super dash. Ouais. Ah là, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je crois même d'ailleurs, faut un petit peu les. Faut un petit peu les espacer, les deux Ouais, dashs. c'est ça. Faut pas les faire pile poil en même temps. Non, faut les espacer. Wouah! Ah non, mais là, je suis con, c'est moi, je mets. Ah ouais, putain la vache! Tout de suite ton bonhomme il est Ah oui, vachement là plus. tu vas être plus loin du coup. Wouah! Ok. Voilà, donc tirer à gauche. Il te reste deux flèches, donc une par ennemi qui est en haut, sauter. Voilà, bah là c'est nickel. Et t'as même le gold. Ouais, là j'ai fait une backup, enfin j'ai même fait un truc sans dash en fait, un truc vraiment tout simple. Après, il n'y a pas forcément besoin des dash, c'est vraiment. Si t'es Ouais. vraiment l'optimal pour avoir la perle par exemple. Mais bon. Alors ici, ce qu'il fait, donc il saute sur la première boule violette. Pendant qu'il est en l'air, il fait un dash vers la boule violette. Et Ok. entre les deux boules, il tire en l'air. Parce qu'en tirant en l'air, forcément, bah, du coup la flèche va passer au-dessus, elle va redes... enfin, elle va passer l'écran. Et elle va toucher l'épouvantail qui est là en bas. Il tire en haut. Voilà, tout en l'air quand il est entre les deux premières boules violettes. Non, sans deck. Putain. Ah, et là tu l'as eu. Tac, hop, hop. Voilà, t'as fait exactement ce qu'il fallait faire. Wouah, putain. Ah ouais, mais ça va être le royaume de la backup, hein, Ah oui, non, en vrai, ce ça va jeu. être n'importe quoi. Parce que sérieux, les techniques gold, tu les réussis, et puis après t'es là, non, faut que j'aille chercher l'épouvantail que j'ai raté, merde! C'est ça, tu rates une flèche, après il faut Ouais. retrouver. Faut récupérer une flèche. Oh Tirer la sur le dernier vache! empaillé. Après voilà, faut. N'oublie pas de faire les starts en début de niveau et en fin de niveau aussi. Ouais, Là t'en as pas carrément. besoin parce que tu t'entraînes pas sur les niveaux, mais. Alors ce niveau il est un petit peu chiant. Parce que ce qu'il faut faire, c'est. Voilà, donc t'as sauté sur le premier, donc c'est normal. Et quand tu sautes pour aller là où tu es arrivé, faut que tu Ouais. tires en diagonale en haut à gauche pour viser la boule violette. Alors déjà, faut que je chope le premier, évidemment. Ah, par Voilà, contre, et donc ouais. là c'est le problème des contrôles. Parce que le problème c'est qu'il y a un délai au moment où tu tires ta flèche et. Ah ouais, il est assez monstrueux le délai d'ailleurs, hein. Ouais. Parce que dès que tu tires ta flèche, si tu changes de direction, bah, il tire dans l'autre direction. Exact. Ça peut, à ton avantage, tu peux le faire d'ailleurs. Tu peux faire le contraire. Tu peux Ouais, mais en tirer et ensuite général, changer. Ouais, en général, c'est dans l'autre sens que ça se tu tires passe. toujours. Voilà, donc t'arrives à toucher ça. Et alors, quand t'es sur le tremplin de droite, donc celui qui est grand, il faut que tu sautes et que tu tires dans les deux trous qui sont à droite. Le trou du haut va toucher la boule et tuer l'épouvantail. Ah, mais Et attends, celui mais du je peux bas va pas? tuer directement. Ça saute pas assez haut, j'ai l'impression. Voilà, oh, il faut peut-être rajouter un dash à la fin. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est Hein. ça, c'est un dash. Oh putain, par contre, celui-là, il va être relou. Hein. Ouais, il est pas sympa ce niveau.
C'est vraiment le relou. Ouais, quand tu te rates la backup, c'est d'aller chercher directement les épouvantails en allant les chercher. En passant par les trous où tu tires. Parce qu'en plus, voilà, faut réussir à sauter, dasher en haut et directement tirer à droite deux fois avec des bons timings. C'est l'horreur. Ah ouais, non mais ce niveau, il est horrible! Là, C'est vraiment l'horreur. c'est un cap de difficulté là. Sinon, t'as ça! Voilà, sinon, il y a. Non, mais ça c'est pas mal aussi. Après, le problème, c'est qu'il te reste celui qui est en bas à Ouais, droite. mais je vais le Alors, peut-être le buter tuer avant de avant. descendre, quoi. Je vais faire genre ça. Hop! Ah! Là, tu t'es fait avoir par la lanterne. Même pas! Je vais le faire comme ça, regarde. La backup, improvisée. Ouais, je vois. Ouais, ce sera pas suffisant. Ah mais presque, hein, pour faire un goal, non? C'est ça. Et voilà, gold. GG. Je pense qu'on veut déjà faire que des golds. Si on fait que des golds, j'espère qu'on fait les 5 minutes en faisant que des golds. Parce que c'est déjà un gold. 5 minutes, c'est compliqué. Je pense plutôt un hein, 8 minutes. Avec Avec que des golds! 7 ou 8 minutes. Que des golds, c'est 8 minutes, sérieux? Je pense. Enfin, moi j'ai fait 7 et quelques. Et j'avais pas l'impression d'être super rapide. J'avais pas l'impression d'être trop lent non plus. Ah la vache. 5 minutes, non, 5 minutes c'est vraiment super court. Moi je suis l'archer qui n'utilise pas ses flèches évidemment. C'est surfait les flèches. Alors ce niveau, je m'en rappelle plus. On va se mettre là. Alors, il commence par tirer sur celui qui est au-dessus de sa tête. Il va chercher le coffre. Oh, non mais il est trop violent ce mec. Donc il Ensuite. tire d'abord sur Ah celui oui, qui est et c'est au-dessus de sa ça. tête. Ah ouais, quand tu tires en Ouais. l'air, ça tue les trois. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il fait à un moment, il tire en l'air. Mais en fait, il ouvre le coffre, mais il prend pas d'abord la flèche. Il ouvre le coffre et il fait un tir en bas à droite pour toucher celui qui est au milieu. Sans tomber, évidemment. Voilà, sans tomber. En bas à droite. Voilà. Le problème, voilà, c'est qu'il faut être assez proche du bord. Alors lui, il le fait pendant qu'il est en plein saut. Et après, il récupère la flèche explosif. Vache. Et il tire en haut à droite et en bas à gauche pour toucher. Alors comment il touche celui qui est en bas à droite, par Oh, contre? putain, j'ai réussi à pas le prendre par contre. Ah oui, d'accord, je vois. Alors en fait voilà, il se sert de la flèche explosive pour tuer les trois qui est en haut à droite, Ouais. pour tuer celui qui est en bas à gauche et casser les blocs qui sont en bas à gauche. Et c'est pour ça qu'il tue avant celui qui est au milieu, parce que du coup il descend pas loin de la flèche qui est en bas à gauche, la flèche explosive, pour tirer à travers le hors écran sur celui qui est tout à droite. D'accord. Celui qui est hors écran? En bas à gauche, Ah oui, c'est ça. Ah oui, voilà. d'accord. En fait, voilà, il utilise une flèche explosive pour casser les blocs en même temps qu'il tue l'épouvantail. Mais t'en as Et une combien fois de que c'est flèches explosives? cassé, il descend. Et on a deux. On utilise une en bas à gauche et une sur les trois qui sont en haut. Ah bah, là, par contre, il a pas cassé les. T'as oublié celui qui était en bas à gauche. Au tout début, il Ah fallait le tuer. merde. Ça arrive. Ah putain, mais non, mais putain. Ouais, vraiment, ouais, c'est un gros jeu de mémoire. Huit, huit, ouais, Après, c'est. c'est... La vache, c'est 4! C'est 4 le Ah, best! bah, c'est super dur. C'est complètement abusé, quoi! C'est fou, quoi!
Ben c'est ça, c'est du par cœur et après de la Ah! précision. Le chrono, par contre, part pas tant qu'on n'a pas. Tant que t'as pas bougé, ouais, le chrono il part pas. Ah, tu peux faire O aussi, d'accord, ça c'est cool. Par contre. Voilà, enfin, par contre, c'est bien juste comme ça. Après, le problème c'est qu'on fait en RTA donc. T'as tapé Merde. sur la lanterne. Ouais, c'est clair. Mais pour tuer ceux qui sont en... les trois qui sont en haut, ils récupèrent donc les flèches qui sont sur le dans le coffre. Mais et ils tirent en haut à droite. Ils tirent pas, il va pas sur la plateforme pour tirer directement en l'air. Ah, d'accord. Oui, c'est les temps dev, il y a des temps rubis. D'ailleurs, c'est débile, faut pas les appeler rubis. C'est un Rubis, c'est pas mieux que super temps, diamant, c'est oui. les temps dev. Il y a un troisième temps à C'est les temps dépasser. cachés, les temps rouges. C'est impossible. T'as le gold. Le gold, c'est le truc de base, quoi. J'adore, en fait. Le gold, le diamant et le temps rubis. Demi-seconde en Et en plus, général, quoi. c'est une demi-seconde de moins. Mais j'en ai aucun, je crois. C'est horrible. J'ai plein de bleus, mais j'ai aucun rouge. Bah, c'est parce que tu t'es... Parce que tu n'as pas essayé, tu le savais pas. Non, je savais pas du tout. Ah ouais, je vois comment le faire, ok. Bon, ça va les. Ça passe comme ça aussi. Mais normalement, voilà, les deux flèches explosives, il les tire quasiment en même temps. Enfin, au même endroit, il les tire. Un en haut à droite pour les trois du haut et un en bas à gauche pour tuer celui qui est en bas à gauche avec les deux petits blocs. Les diamants, c'est les temps easy. Mais c'est pas les temps easy. Enfin, easy. Oh. Moi, je veux bien les golds, c'est du soi-disant easy, mais les perles. Mince. Ah mince, il l'a voulu là. On va regarder ça, on va juste regarder ça. Comme ça, on va mettre la part. Ah oui, d'accord. Ok. Hidden Red Pearl. Ok, achievement. Sérieux? C'est du délire! Quand c'est 7 secondes 5 l'or, 3 secondes le diamant sur le premier et 1 seconde 7 le Red Pearl. Je pense que personne va le faire, Décathlon. Ça, je peux rien dire. OMG, comme on dit. C'est Arès dit easy pour l'instant, ouais. Le plus long, c'est celui du 4-2, et c'est 4 secondes 1. C'est le plus long. Celui-là, c'est 2 secondes 4 sur ce niveau-là. Ouais. Sera pas pour tout de suite, hein. Ah ouais, mais ça vaut le coup de s'entraîner, ça donne envie de s'entraîner, quoi. Du coup, tu dis, waouh! Qu'est-ce que c'est que cataclysme, pardon? Comment tu débloques le cataclysme? Le dernier, il y a un challenge cataclysme. Ah, ça doit être les DLC, ça, non? Bah, le DLC, ou non, il n'y en a que 3, donc ça c'est. Je pense plutôt que c'est quand t'as débloqué des temps, peut-être des temps partout. Moi, je le vois, le cataclysme, il est dans le Dark World Expansion. D'accord. Il fait partie aussi du Ah, DLC, du je DLC. pense. Ouais, c'est ça, quand j'essaie de l'ouvrir, il me dit d'acheter le DLC. Mila dit qu'il a une perle rouge au deuxième niveau. Ouais! On va être Voilà. triché, monsieur. Alors du coup, ouais, c'est chaud, ça. C'est vrai que c'est marrant, on aurait pu se la jouer à la Mario Kart avec Twin, genre en mode comme pour les gens ont X temps et puis à la fin, on voit combien ils ont d'or, combien ils ont de rubis et combien ils ont de perles. Et ça fait pile 100 en plus, quasiment, ça fait 96, ça aurait été rigolo. C'est rigolo ça. Mais ça aurait été très 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 drôle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça, 32.
Mon 36. Ah, ça aurait fait. Ah ouais, c'est ça. Le Team Tom. Les rubis, c'est pas pour les tasses, hein. Je pense qu'en tasse, on peut descendre en dessous. après, je sais pas. Bon, voilà, on va pas s'extasier devant, on va continuer à jouer un petit peu. Mais, ok, voilà, faut être humble. C'est-à-dire qu'en gros, il y a du boulot. En gros. Restart, j'ai toujours pas mon gold ici, a priori. Si tu l'avais eu. D'ailleurs, t'as fait encore un meilleur temps, là. Ah ouais, bah c'est bien, j'ai failli faire un diamant, tiens. Mais, limite, il faudrait que je fasse faire tous les niveaux une première fois, ensuite faire tous les niveaux en gold, ensuite en diamant. En perles, par contre, ça demanderait un peu d'entraînement, je pense. Ah oui, oui, oui. Il y a vraiment des niveaux qui sont extrêmement durs à réussir en perles. Enfin, moi, je les trouve difficiles. Peut-être qu'il y en a qui les trouveront faciles, mais... Ah non, j'ai pas fait diamant, là, Clado. Oui, Soon, ouais, mais c'est les derniers qui sont durs à... Ils sont durs à choper, hein, comme toujours. Hein. Alors, okay. Ici, donc, ça va être pareil, ça va être de la précision. Il va falloir prendre ce qu'il y a dans le coffre. Et il va falloir sauter, tirer en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. En tirant en bas à droite, tu tues les deux qui sont en bas. Et comme en ça tirant en haut à gauche, tu Merde. Tires sur... Non, pas comme ça. Mais limite, ouais, tu peux les faire peu... Enfin, pour commencer, tu peux les faire doucement. Tu tires une fois en bas à droite pour les tuer, tu t'éloignes pour pas te faire prendre dans l'explosion. Et après, ouais, c'est toujours au niveau du coffre, il faut tirer en haut à gauche pour toucher l'épouvantail. Et normalement, la flèche explosive va faire exploser les deux qui sont de l'autre côté de l'écran. Attends. Je suis censé pouvoir le toucher, là ? Pas celui qui est tout en haut. Ah, d'accord ! Ah, pardon ! Oui, oui, quand je dis tirer en haut à gauche, c'était pour toucher ah oui, d'accord, avec pardon. Une flèche explosive. Et normalement, voilà, c'est censé tuer voilà, les deux qui sont là-bas. Ah, tu ouais. tires aussi en bas à droite pour tuer les deux qui sont en bas. Et pour tuer celui qui est tout en haut, c'est une flèche normale, faut que tu sautes avec un dash vers le haut et après tu tires en haut à gauche. Et faut que tu arrives à, voilà, à te déplacer par là vers en haut à droite pour. Ouais. Comme si tu voulais monter sur la plateforme, mais sans vraiment la monter, je pense. Y'a même pas besoin de monter sur la plateforme, on peut le toucher. Pendant que t'es en l'air, oui. Après, si tu veux safe-easer ton tir, tu peux directement monter sur la plateforme. Ah, je remercie quand même Arest qui a eu quand même l'idée extraordinaire de rajouter quelques commandes. Je crois que c'est la commande que j'ai le plus vue sur le chat, c'est la backup. Attends... Ah, saleté. Et voilà, et c'est là où il faut être précis parce que là t'en as raté un qui est à gauche. Ouais, j'ai enfin, vu qui ça, est ouais. à droite, du coup. Mais sérieusement, quoi? C'est très, 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 très bizarre. Hein. Là, ça aurait été pas mal. Pas ouais, si t'as réussi à tuer ce qui était en bas. Voilà, limite, voilà, il faut sauter en fait au-dessus de l'explosion pour pas. Et avec les deux dash, t'arrives à monter plus rapidement, peut-être? Je sais pas. T'as pas dit, hein? En sautant d'abord avant de faire le dash, je pense. Ça fait des putains de dash par contre, hein. C'est pour se déplacer, hein. Ah oui, j'ai mis à jour le programme. Il faut que je mette à jour le programme de Tori, mais Arest n'a pas encore uploadé le message subliminal. La fiche de Tori, donc c'est pour ça que je partage pas, parce qu'elle a un tout petit serveur. Donc, mais du coup, je partagerai la fiche. Je pourrais le faire aussi. Donc, je vais chercher le power grip, c'est ça. Ouais. Mais ah non, on peut pas s'agripper, quoi. C'est le 3 dessus. Est-ce qu'on peut les faire aussi vers là? Ah non, ça va pas l'air de marcher, ça. Si je saute comme ça, j'essaie de le faire en même temps, du coup. Ah ouais, non, mais en fait... Ah, c'est pourri, ça.
Oh, voilà, faut vraiment réussir à faire. Faut vraiment réussir à sauter, à faire le dash en haut, et une fois que t'es au plus haut de ton saut, à tirer en diagonale en haut à gauche pour toucher sans avoir besoin de monter sur la plateforme. Parce que finalement, monter sur la plateforme, c'est plus chiant qu'autre chose. Je savais que t'allais dire ça, reste. Ouais. Je le ferai après, de toute façon, j'ai pas de soucis. Ah Alors non, mais ce mince. niveau, voilà, avant de prendre les... Merde. J'aurais su que c'était si simple, je l'aurais fait. J'avais pas essayé en fait. Ah mais c'est relou ça. Ah c'est chaud hein. C'est pour ça, voilà, ce que je fais, c'est dès que j'ai ouvert le coffre, je saute et pendant que je suis en l'air, je fais en bas à droite, en bas à gauche quand je tire. C'est vraiment très rapide à exécuter. Attends, t'as le Et par temps contre, de tirer sur les deux? à tirer les deux flèches, oui. Mais après, voilà, il faut vraiment réussir à tirer rapidement parce que sinon tu finis par. Enfin. Parce que vu qu'il y a un petit délai au moment où il tire et au moment où t'appuies, tu risques de tirer pas du bon côté. Ah, par contre, j'ai pas besoin de me déplacer pour le faire. Ok, d'accord. Te déplacer On pour. peut le faire d'en bas, en fait. Ah oui, d'accord. J'avais pas. Ouais, c'est vrai que Badou, du coup, moi je l'ai fait en l'air parce que je le voyais dans la vidéo faire en l'air, mais. Ah Ouais, bah c'est c'est vrai que sans c'est. doute mieux en fait, parce que ouais non, c'est ça reste Oui, mieux. c'est beaucoup plus simple d'un coup. Bah, du coup, voilà, t'es en l'air. Enfin, tu sautes pour attraper la flèche. Tu tires en bas à droite pour ceux qui sont à côté. Et une fois que t'es posé au sol, tu tires en bas à gauche tranquillement. Et après, réussir à choper celui qui est en haut. Pourquoi tirer? En fait, je devrais tirer sur le côté, je suis un gland. Pourquoi je fais ça, moi? Bon, en fait, je vais juste faire une technique de noob. Alors là, j'ai fait 2,6. Technique de noob, allez. Noob. Noob strat. Ah, putain. Eh ben, c'est... Mais le plus chiant, en fait, c'est d'avoir celui qui est tout en haut. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Mais quel gland. C'est pas vrai, sérieux quoi. C'est combien la Voilà. perroquet? C'est une seconde 9, d'accord. Ok, 4-0-4. Il y a une sacrée différence, hein. Ah bah quasiment une seconde, ouais, c'est tendu quand même. Bonne soirée, Cladol. Bonne soirée, Triminem. Hop là. Alors ici, voilà, donc il commence par tuer celui qui est à droite. Donc il fait un petit saut et il tire dessus. Il récupère les flèches explosifs. Et après, il fonce avec des dashs tout à droite. Et il tire deux fois dans le caillou. Il tire les deux flèches explosives dans le caillou qui est à droite, le caillou carré. Il y a la vidéo des devs Vidéo là des temps rouges. qui a filé. Je vais me la mettre de côté, je regarderai ça. Mais moi aussi, je regarde ça Ça plus devrait tard. être Mais... pas mal à voir. Ça doit rien vouloir dire, Ah, il dit mais que bon. le plus rapide c'est de tuer celui du haut avec une bombe explosive en tirant. Ouais, c'est pas mal. Ah, il y a une méthode plus noob friendly. Effectivement. Et à notre niveau, à mon niveau va être peut-être plus intéressante. Je vais regarder ce que dit la chamoute. Hein, la chamoute. Bon bah déjà c'est raté, pas de chance. Hein, pas de chance. Ah ouais, carrément que c'est vachement plus simple. Là j'ai raté, mais dans l'idée. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Vachement plus simple quoi.
Ouais, c'est plus facile. Ah ouais. Ah bah c'était bien, je suis content. Bah plus rapide, je sais pas, parce que le champion fait pas ça, mais en tout cas... Si, peut-être que ça laisse, ça a été trouvé après. Alors pardon, du coup, j'ai pas bien entendu la description de ce niveau. Du coup, pour ici, il fallait directement tirer sur l'épouvantail qui est en face de toi. Ouais. Avant de récupérer Ouais, les bien sûr. flèches. Et il y a peut-être même pas besoin en tirant... Non, en tirant, ça passe pas. Non, faut quand même sauter un peu en avant. Tu récupères ça, et après tu fonces à droite avec les dash, tu tires deux fois dans... Voilà. Mais pas besoin d'attendre, tu peux directement spammer tes deux D'accord. tirs. Normalement c'est censé passer. Non, sérieux, il m'a laissé me troller celui-là. Non, sérieux, mais c'est pas vrai quoi, mais c'est. Merde. Waouh, j'ai fait le gold, trop classe. Ah oui, pile poil. Mais du coup, il te le compte même pas comme fallait faire en dessous. Non, mais je pense que c'est bon là. J'ai le gold a priori. Et non, je l'ai pas. Non, tu l'as pas, il te le considère pas comme pile poil. D'accord, faut le battre. Oui, j'avais mal lu ta phrase, le chemou. Je crois que tu disais que les temps rouges, c'était non pas le moyen d'avoir les temps des devs, mais enfin le truc, je crois que tu disais que c'était le temps moyen des devs. Je me disais Ouais, quoi? parce que moyen. La vie de la vache. Ils sont bons les deux. Alors évidemment, je compte faire la plupart des jeux. Pour l'instant, je suis parti pour faire de manière rigoureuse sur le Décathlon. Moi, je pense, c'est pour ça que sur l'UD3, on verra comment on fonctionnera, mais il y a 6 jeux sur lesquels je vais essayer d'être rigoureux. Je sais déjà lesquels. Rigoureux, on s'entend, hein. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais faire des races et faire genre du Tifa moins 15%, ce serait pas mal. Le Tifa moins 10%, je serais déjà pas mal. Je serais déjà content. C'est plus sur les world records les pourcents sur Tifa maintenant. Ouais, c'est ça, bah pour moi. Faut toujours que je sois à 10%, c'est juste que j'ajuste. Non, alors sérieusement. Sur le premier épisode, il y en a trois qui m'intéressent. Un où je pourrais insister un peu et un qui me fait chier. Ça fait 4, 3, on va dire 3 ou 4. Et sur le deuxième épisode, il y en a trois que je suis très content de faire. Plus celui-là, non, il va bien passer. En fait, ça fait 4. 5, 6, 7. Il y a 7 jeux en gros que je vais faire. Je suis content. 3 jeux, ça va être un peu plus dur. Et dont un, je vais faire des petits efforts. On va dire les trois pires jeux pour moi à apprendre, c'est Ninja Gaiden 2, Dead Core et Metroid Zero Mission. Je pense que Metroid Zero Mission, je vais pouvoir faire quelques petits efforts. Ensuite, je pense que j'aurai fini Ninja Gaiden 2, je pense que je terminerai par Dead Core. Ou plutôt même, ouais, c'est ça, Dead Core sera le dernier jeu, je pense, parce que vraiment, c'est... Ça va vraiment être dur pour moi. Ouais, l'hexathlon, c'est ce que je disais. Dès que je serai prêt, Tifa, dans des tournois de la semaine, on pourra faire des petits tournois occasionnels, je te défierai en duel à mort. Sur Non, des jeux de mon choix, évidemment. y a pas de souci, on prend tous les jeux que tu veux. Voilà, mais aussi c'est moi qui détermine les épreuves et les Ah jeux, et merde, Doom, ensuite je attends, défie j'ai pensé à quelqu'un. Doom. Ah non, mais Doom sera dedans, t'inquiète pas. Il y Bon, aura bah, je prends le Spelunky jeu. aussi, parce que ça fait partie de mes jeux préférés, et là t'as un avantage énorme sur Spelunky. Mais voilà, ça, les jeux qui me font vraiment rigoler. T'étais juste à peu près sûr de pas tomber sur Dead Core, si je te défie. Voilà, Dead Core, tu tomberas pas dessus, ni Metroid Zero Mission. Ça, c'est à peu près sûr. Ah, dommage. Mais après, peut-être que les autres seront motivés aussi pour. Ça peut être rigolo. Faut Voilà. pas hésiter quand t'es ah, ici. Parce que voilà, quand tu tombes, et pas hésiter à appuyer sur bas pour descendre plus rapidement. Appuyer sur bas. Ah oui, putain, mais j'y pense jamais. On fait bas. Ah Ça va merde. légèrement plus vite de descendre. Ah, on peut faire des dashs vers le bas en plus. Je sais pas, j'ai jamais essayé les dash en bas. Oui, tu peux en faire.
Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, c'est vraiment faire le petit saut en bas, ça accélère la chute. Alors, ensuite, alors ce niveau-là, faut pas prendre le coffre, faut se laisser tomber dans le trou, puis faire un dash sur l'épouvantail. Et ensuite, faut sauter sur la tête de l'autre épouvantail, tirer sur celui qui est à droite. Et terminer en Et faisant ça. après terminer avec voilà, un truc comme ça. Tu vois, premier essai, t'as failli faire les 7-5. Ouais, carrément, easy ce niveau. Assez Celui-là, non, gra... il est pas très dur. assez gratuit celui-là. Hein. Merde. Faut juste réussir à faire le dash au début, qui est peut-être un peu gênant, mais après, normalement, le reste est censé se faire assez tranquillement. Ah, j'ai des petits ralentis, par contre, c'est relou. Bah nickel. Oh, mais je vais faire un temps vachement vite sur le jeu, je pense. Après, Faut là les on les travaille sortir un en par un, le condition de problème c'est de reste. les faire l'un derrière l'autre. Quoi, tu penses que Alors, j'en suis pas capable, ça? Ah, des ailes, c'est si, cool. si, c'est possible. Alors voilà, donc faut récupérer les ailes. Fallait tirer dans le petit trou pour tuer celui que voilà, tu tues là maintenant. Enfin, celui que tu as essayé de tuer. Ok. Pour la strat rapide, si tu n'y arrives pas, tant pis, tu. La backup, ce sera de lui sauter dessus au retour. Tu arrives là, tu tires à droite pour Ah tuer merde! celui qui est de l'autre côté. Et après, tu te laisses tomber sur celui qui est en bas. En appuyant sur bas Ah merde, pour. T'as oublié de prendre le coffre pour. j'ai pas pris les fenêtres, les Elbérons. Tire une seule fois, si tu te rates, c'est pas grave, tu lui sautes dessus après. Non! Non, il faut essayer de tirer plus vers le bas, je pense, du coup. Parce que la flèche aura tendance, du coup, à remonter, vu qu'elle est un petit peu auto-téléguidée. Ah ouais, non mais ralenti. Je vous jure, c'est pas une excuse. Ah, dommage. Ah ouais, parce que... Ouais, faut vraiment tirer vers le bas, c'est. Parce que Ouais. sinon, du coup, elle se cogne contre le mur. Tirer assez bas, effectivement. Bon, là, c'est mort. Sinon, bah, en race, la grosse backup, c'est être obligé d'aller le chercher directement. Oh putain, Parce que c'est généreux le goal, c'était non? juste. Ouais, parce que le niveau, il est quand même un petit peu long, t'es obligé de faire tout le chemin. Je savais pas de quoi tu parlais, je suis un hipster. C'est vrai que comment t'as deviné que j'ai rasé mes cheveux et que je me suis laissé une barbe pour faire hipster? C'était vraiment mon intention. Alors, next trial, let's party, party. Alors, celui-là, il faut prendre les ailes dans le coffre, Ok. sauter sur les deux qui sont au milieu. Donc, tu peux les avoir en leur sautant Alors, dessus, lequel en plan? étant au bord du mur. Attends, Et tu ensuite, dis les avoir tu comment? leur sautes dessus. Je vais là, quoi? Voilà, en passant par la gauche. Ah oui, bien sûr. Toi, Ah oui, on peut, t'as bien fait sûr, bien le sûr. tour du coup par la droite. Là, tu as. Tu leur sautes dessus, tuer les deux à droite avec des flèches et le dernier avec une flèche aussi. S'il t'en reste une à ce moment-là. Ok. Ouais, moi, non, mais voilà, ceci dit, j'avais besoin, mes cheveux étaient très très fatigués, j'en avais besoin. Putain, saleté. Ah, presque. Presque, 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 presque. Ah! Après, si t'as du mal à leur sauter dessus, parce qu'il y a quand même une petite fenêtre pour leur sauter dessus, peut-être tirer rapidement et il faut vite récupérer la flèche pour continuer le niveau. Ah, par ici. Je l'ai même pas eu avec une flèche là finalement, je l'ai eu Ouais. une strat un peu différente, mais... Bon, t'as dû perdre une demi-seconde, une seconde, c'est pas énorme non plus. Non, c'est pas énorme effectivement. Ensuite, c'est qui? Alors, celui-là, il va être marrant. Alors là, on va arriver au niveau avec les flèches qui rebondissent sur les murs. Ok, c'est parti, map.
Putain, mais je vais plein de gold, je suis heureux là. Je considère que faire les gold partout, c'est déjà un premier tiers pour moi. Ouais, c'est un bon début. Alors, faut commencer par prendre le coffre avec la flèche électrique. Et il faut tirer sur le. Enfin, t'as le chemin qui est à droite, le mur, enfin, le plafond. Faut tirer sur le côté gauche du mur. Un peu vers le bas pour qu'en fait, ça, voilà, ça rebondisse. Non, le chemin qui est à droite, t'as le sol et t'as le plafond. Et il faut tirer sur la gauche du plafond. Enfin, pas par-dessous. Comment t'expliquer? Il faut que tu tires en diagonale en haut à droite pour toucher le truc qui est en haut à gauche. Là? Non, celui qui est tout en haut à gauche. T'en as un qui est tout en haut à gauche à Ah oui, côté du pardon, timer. ok. Et pour lui, pour le toucher, il faut que tu fasses rebondir la flèche. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, bah ça c'est nickel. Ensuite, une fois que t'as fait ça, faut que tu sautes. Enfin, faut que tu sautes au milieu pour tirer en haut à droite et toucher celui qui est tout en haut à droite. Alors Ça là, va faire rebondir la flèche on va faire sur step le. by step. Voilà, là faut vraiment tirer sur le bas du mur, mais sur le côté gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, là, faut sauter à droite et tirer en haut à droite. Ah, dommage. Il faut pas qu'il touche le mur, faut qu'il touche le plafond pour pouvoir rebondir sur le. Comme Voilà, ça. comme ça. Et ensuite, tu tires à gauche, en haut à droite pour toucher les deux. En haut à droite, je tire. Ouais, en haut à droite et à gauche. T'as les deux à tuer. Et après, il faut sauter et tirer en l'air. Si tu sautes pas, la flèche va pas assez haut. Ok, d'accord. Ok. Ah, il Sachant que est. l'idéal, ce serait que quand tu sautes pour tuer celui qui est tout en haut à droite, que tu tires en haut pour toucher aussi celui que t'as tué en dernier tout à l'heure. Mais dans ce jeu-là, en fait, quand tu connais pas les backups, ça va aussi vite de reset quasiment. Oui. Quand tu connais pas, du coup, Voilà. Là, il t'en reste un haut à droite, et maintenant, faut que tu ailles le chercher. Sauf qu'au passage, faut que tu ailles chercher une flèche aussi, parce que t'en as plus. Ouais, pareil, la flèche, elle a pas réussi à le toucher, celui qui est en haut. Là, elle a eu. Merde. Voilà. Ah, j'ai encore raté celle-là. Il y a une flèche qui est un peu capricieuse, hein. Ah merde, bah Après, non. si sans faire exprès, parce que là t'as tiré à un moment, t'as tiré en l'air, Ouais. la flèche elle était en train de retomber. Au pire, c'est pas très grave, tu la laisses retomber, tu la ramasses et tu tires sur le dernier qui te restait. Alors ça marche pas avec les lasers parce que forcément elles rebondissent, mais avec les flèches normales. Mais T'as pourquoi oublié c'est le la. premier que j'ai raté pour une fois? T'as oublié de lui tirer dessus. Ah, là c'est nickel, ah c'est passe. Ouais. C'est pour de la musique d'enterrement. Vous voulez que je change un peu? Je compte changer, je peux changer un peu. On écoute de la musique sacrée depuis tout à l'heure. On va écouter un peu de musique profane si vous voulez. Allez, un peu de musique profane maintenant. C'est parti! Voilà. C'est très rigolo. Je pourrais laisser derrière les. Voilà. Bon, j'imagine que tu vas connaître. Voilà. Bon, ça fait 4 heures que je mets du baroque, un peu de grunge. Allez, c'est parti. On restart. Elle est pas assez forte, je voulais que je la mette plus forte. C'est Nirvana. Hop là. Voilà. La flèche laser qui n'a pas touché celui qui était en haut à droite. Nickel.
Ah, nouveau temps, c'est pas. Ok, map. Alors ben... ici tu ouvres le coffre. Et en fait qu'il faut c'est. Alors t'as deux méthodes. Soit le celui qui est au milieu tu lui tires dessus en. Enfin quand t'es au sol, là-dedans tu descends, tu te mets à côté. Soit tu lui tires dessus en tirant en haut à droite. Et alors dans ce cas-là il faut que tu fasses un super dash pour suivre le cadavre et récupérer la flèche. Comme ça ? Oh putain ! Voilà, un truc comme ça. Très bien, c'est exactement ça. Soit tu te mets dessous le cadavre et tu tiens en l'air. Comme ça le cadavre, il... enfin le... l'épouvantail. Comme ça l'épouvantail quand il tombera, tu récupéreras la flèche qu'il a. Que t'as envoyé. Et après, voilà, donc il faut le tirer en étant dessous. Et après, la flèche que tu auras récupérée, tu avances presque. Tu vas à droite, tu avances à droite. Tu sors de l'écran. Ah merde, je peux. Tu sors de l'écran et dès que t'es à gauche, tu tires en haut à droite. Et ça fera un... ça rebondira vers lui. Ah merde, pas eu. Ah oui, non mais putain, la vache, c'est quand même assez violent. Hein. Ouais, il faut aller assez vite parce que les flèches laser, elles disparaissent très rapidement. Et si elles disparaissent, tu as plus assez de flèches pour. Ah ouais, mais elles disparaissent même super vite. Hein. Alors désolé pour les amoureux de la musique sacrée, c'est juste que j'en mettais depuis 17h, j'en mettais, ça faisait 4h donc là. Mais je pourrais pas essayer de lui. Ah non, je peux pas lui sauter sur la tête, bien entendu. Non, tu peux pas, ils sont. Le seul que tu pourrais essayer de sauter sur la tête, c'est celui qui est tout en haut à droite, mais il est trop loin à aller chercher en fait. Voilà, sinon t'as cette méthode là, et après tu avances. Lui, t'es pas obligé d'attendre que la flèche elle retombe pour. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup plus simple de. Ah ouais, c'était une petite optimisation pour aller un peu plus vite. Sinon. C'est la blagounette la petite optimisation là. Si, c'est une petite optimisation. Voilà, mais tu fais un goal tranquille quoi. Nickel, nickel. Alors le prochain c'est lequel, je sais plus. Bon, celui-là il va être marrant. Alors si je me rappelle bien, il faut prendre les lasers. Quand tu sautes, il faudra tirer deux fois très rapidement en bas à droite pour faire rebondir sur les deux. Oh comment sautes. C'est dangereux ça, tout le centre. Quand tu sautes au niveau du coffre. Quand tu sautes au niveau du coffre, tu tires deux fois en bas à droite. Avec les flèches laser. Deux fois ? Ouais, deux fois. Parce que t'as deux épouvantails. Ensuite, une fois que tu les as tués, donc tu montes et tu tombes sur. Ah oui, d'accord. Oh, putain, la vache. Ouais, c'est vraiment tiré deux fois, ensuite tu montes, tu sautes sur lui. Avant de prendre les lasers, donc là tu les as pris, mais avant de prendre les lasers, tu tires dans le petit trou à côté du coffre, en bas, pour tuer celui qui est tout en bas. Avec la flèche qui te reste. Non, celui qui est en bas. T'as un trou qui est entre l'épouvantail et le. Ah le ouais, tu... je vais avoir, ouais, ok. Non, voilà, tu tires vers le bas parce qu'après tu vas récupérer les. Tu vas récupérer deux flèches laser en plus. Oh putain. Mais comment je fais pour le tirer vers le bas, ce mec ? Ça a pas l'air évident. C'est. Voilà, c'est les contrôles. Il faut vraiment réussir à tirer en bas et à avancer pour aller chercher le coffre. Une fois que tu as fait ça, tu prends les flèches. Et tu sautes sur la tête de celui qui est à droite. T'as pas pris les flèches dans le coffre. Et alors, une fois que t'es là, tu te mets sur le petit carré à côté du coffre. T'as un petit carré qui dépasse. Et là, tu sautes et tu tires à droite. Et tu le fais deux fois. Voilà, dans ce sens-là ou dans l'autre sens. D'accord. Tu tires à gauche, c'est plutôt à droite qu'il fallait tirer. Et il te reste une flèche, t'avais oublié de tirer dans le trou en bas pour tuer celui qui était en bas. Non, j'ai pas oublié, j'ai pas réussi. J'ai vraiment tiré à droite, je sais pas si j'ai pas fait gaffe si t'avais tiré à gauche ou à droite.
Et donc ça, voilà, faut faire assez rapidement. Alors, ouais, putain, la vache, eh ben c'est pas... Après, ce que tu peux faire quand tu récupères le deuxième coffre, c'est tu sautes pour tirer sur les deux qui sont en haut à gauche, donc en tirant à droite dans un petit trou. Et okay. Dès que tu as tiré ta deuxième flèche, tu sautes sur la tête du dernier qui est à droite. On n'est pas obligé de... Toi, t'arrives à sauter, tirer, là, ça, c'est... Voilà, quand je rebondis sur le... sur l'épouvantail, je continue ma route sur la droite, je tire en bas et je continue à aller à droite pour pas tomber. C'est... Mais moi, j'y arrive pas, c'est impossible de faire ça. Si, je le fais. C'est pas impossible. Ouais, mais sérieux, les contrôles sont pas faits pour faire ça, quoi, tu sens que c'est... C'est pas évident, ouais. Au début... Putain, c'est pas évident du tout, même. Je me demande si... tester... Ah, celui-là, je vais avoir du mal à le faire. Hein. Faut vraiment tirer en bas à droite, sauter, tirer en bas, prendre les flèches, se mettre sur le petit carré, sauter, tirer, puis sauter sur la tête du dernier. Bah les contrôles d'Isaac seraient super bien dans ce jeu-là. Avec un tir sur chaque côté, sur chaque bouton. Bah c'est juste que tu sais par exemple t'as un truc qui dirige le stick et un truc qui dirige par exemple simplement le tir. Ouais je vois ce que tu veux dire. Bah c'est par exemple là tu vois mon stick gauche me permet d'aller à gauche à droite, faire bas et haut. Mais ça sert aussi... Le problème c'est que t'as quand même un bouton pour sauter. Ouais mais c'est pas grave ça. En fait... Ouais, je vais mettre sur une gâchette. Mais t'as jamais joué à Binding of Isaac du coup? Si mais moi j'ai joué au joystick, c'est pour ça que je... Bah au joystick ça serait super, j'aurais le deuxième joystick qui me permettrait de tirer dans la direction que je veux. Ce serait super. Y'a pas mieux de faire ça. Stick droit pour tirer, ouais. Je me demande si on peut pas paramétrer ça dans les... Ça paraît compliqué de sauter, de viser une... de tirer d'un côté. Alors peut-être que ça marcherait mieux, mais... Je sais pas. Ah, c'est... Eh ben celle-là, j'ai vachement du mal. Ouais, le premier, faut vraiment tirer deux fois en bas à droite. Et... Putain! Ah non, mais... la plus chiante à avoir, c'est celle qui est en bas quand tu. Alors, est-ce qu'il y a moyen de. Voilà, j'ai du mal à tirer les deux. Voilà, bah le niveau là est j'ai pas évident. C'est combien le... C'est 7-5, d'accord. Enfin, sinon, la deuxième possibilité, c'est que tu t'en fous de celui qui est tout en bas. Tu fais la même chose que je t'ai dit. Et dès que t'as sauté sur la tête de celui qui est tout à droite, tu reviens et tu sautes sur... Bah, tu te laisses tomber sur le dernier. Là, je fais un 8-9. Oh, il descend 6-8. Il descend un petit peu trop lentement, mon petit bonhomme. T'appuies sur bas pour accélérer la chute. Bah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, effectivement. Putain. Sérieux, le bonhomme, quoi. Mais pourquoi il tire vers le petit bonhomme là. Ça peut être pénalisant aussi le système de visée automatique.
Il faut tirer à droite, toi tu tires à gauche pour essayer de les viser, faut tirer dans le trou à droite pour que, que la flèche traverse. C'est là que je t'ai vu tirer à gauche. Oui, oui, non, je dis pas que j'ai que tu mens. Je dis que si je fais ça, c'est pas le bon bonhomme qui est tué. Et c'est très très bizarre. Hein. Merde. Et ben ce niveau là, il est. Ouais, il est pas évident au début. Là. Parce qu'après, je vois pas comment pour faire un gold, comment le faire celui-là. Ah ben si. Je à moins que tu tires directement en haut à droite. Est-ce que t'as assez de temps prêt pour. Ah oui, je vois ce que tu veux faire. Ouais, tu prends les deux flèches laser, tu tires sur les deux qui sont en haut à droite. Puis tu sautes sur la tête de l'autre et après tu fais. Ah bah putain, ça par fait contre, pas. Faut pas tirer les deux flèches sur le même saut à la fin. Faut vraiment faire saut, tir, saut, tir. Bah ouais. Parce que sinon, tu arriveras pas à caler les deux flèches dans le petit trou. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est mieux ça. C'est pas encore ça, mais. J'en ai marre de mon petit bonhomme. Mais putain, je vise là-haut quoi, ça sert vraiment à être fou quoi. Ouais, ça c'est les délais des tirs qui sont vraiment super chiants. Hein. Oh, sérieux quoi, c'est abusé quoi. Par contre, je pourrais gagner du temps en faisant ça par contre. Il y a moyen en plus de rechoper la flèche ici, c'est rigolo ça. La flèche. Ouais, attends, j'essaie d'illustrer ça. Oh non. Ah, mauvais encore. Faut pas gagner du temps de tirer la première flèche, sauter sur le bonhomme avec le rebond tiré sur la deuxième. Tirer la première flèche, sauter sur le bonhomme et avec le rebond tirer la deuxième. Là, tu tires la première en marchant, tu sautes sur celui qui est en bas et après tu retires une deuxième. Sur le deuxième qui est en l'air. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Ouais, ouais, il y a moyen de faire ça. C'est bizarre, tu l'atteins pas celui-là. Mais putain, c'est pas logique. Normalement, tu devrais l'avoir. Ah, je peux quand même faire l'ancienne strat avec mon petit rebond. Putain, sérieux quoi. Ah oui, ça n'empêche pas de faire les rebonds. Je vais faire. Ouais, c'est ça, on va faire les rebonds, mais saleté. Non, putain, c'est dégueulasse! J'ai fait 7999 avec cette méthode-là. Eh ben. Faut que je fasse gaffe à l'heure aussi pour me ménager 10 minutes de pause. Elle arrive. On aura déjà. Déjà c'est pas mal. Déjà je suis hyper heureux là. Mon but c'est au moins d'être top 10 quand même dans l'épisode 2 hein, cette semaine. Donc j'espère Je pense que c'est faisable. Ben, j'espère. C'est la semaine où c'est le plus faisable techniquement. Hein. Parce qu'il y a la dalle, parce qu'il y a moi, il y a Twin. Ah, ça y est, t'es déjà monté au classement. Il y a Millet, là je suis deuxième pour le moment. Il me reste plus que faire un temps sur Doom et
Peut-être je réussirai à passer devant Kladal, je sais pas. Attends, t'es déjà deuxième là? J'ai fait un temps sur 4 jeux sauf Doom. La vache! Déjà! Attends, il y a 2 jours, t'avais rien! Si, il y a 2 jours, j'avais Ninja Gaiden et Gremlins. Ah ouais. Non, que Ninja Gaiden, je crois. Je sais plus. Ah ouais, oui, c'est Doom 2. Alors, je vais essayer pour pas mettre en retard avec le... Attends, je vais essayer au moins... Non, je fais le goal. Je suis désolé, il faut au moins que je fasse le goal d'ici, mince. C'est dommage, ça aurait été bien. Ah, putain! C'était à 7-4, si t'avais... Mais je peux pas spammer les deux flèches, t'en avais forcément une qui ne serait pas rentrée dedans. Non, il est pas évident, celle. Non, mais celle-là, elle est même horrible comme map, hein. C'est vraiment affreux. Ah bah là, c'est affreux. Alors après... Mais putain. Vu que t'as une flèche en trop, ce qui peut te faire gagner, mais vraiment un très chouïa de temps, c'est quand tu commences le niveau, tu tires directement dans le coffre. Parce que tirer dans les coffres, ça permet de les ouvrir. Comme ça, il est déjà ouvert, t'as juste à sauter pour ramasser plutôt que d'attendre que la flèche... Ah ouais. Optimisation là. Ouais, mais vu que tu économises une flèche à chaque fois, c'est gagner un chouïa de temps. Ah, dommage. Mais non, y a pas moyen, je peux pas. Lâche, ouais. Ouais, mais je pense que le problème c'est que vu que tu vas à droite pour taper le. pour taper sur la tête, le fait de faire l'aller-retour ça te prend trop de temps en fait. C'est clair, ce sera un peu l'histoire. Si on raconte l'histoire du Décathlon cette semaine, c'est. Est-ce que Kladal va réussir son objectif? Je vais faire une interview de lui de toute façon, vu qu'il va me coacher sur Portal tout à l'heure. Bon, mais je vais faire nuit blanche. Ça va être jusqu'au dernier moment. S'il te plaît, alors, pour pas embêter Indigeste, soumets pas à minuit moins une minute, mais si tu soumets à 23h30 ton Doom, ça peut être très très drôle. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Mais ceci dit, faut que tu fasses quand même une perf modérée à Doom, hein, ça passe. C'est ça, faut faire une bonne perf, sachant qu'il faudrait que j'améliore mon portal, vu qu'il a fait une très bonne run sur portal tout à l'heure. Bon bah y'a rien à faire hein. Bah ouais, avec cette méthode là, le problème c'est que l'aller-retour ça te coûte pas mal de temps. C'est... Tac. Ça te bouffe environ 3 secondes de faire l'aller-retour. Ah ouais? Sachant qu'après, il faut que t'arrives à sauter sur le bidule à gauche. Alors que là, tu tiens. Ah! Ah! 7-7! Ah, dommage. Mais ça se rapproche, hein. Moi aussi, quand je stream pas, je fais autre chose. Je regarde les autres jouer. J'ai dit que je commençais Doom 2 à 15h. J'ai fait 5 niveaux. Tellement que j'ai pas envie d'y être. Ah, bah GG, t'as réussi. Carrément. C'est cool, j'ai fait quasiment la moitié des maps en gold là. Bon, bah je vais pas faire beaucoup, on va pas pouvoir faire beaucoup plus qu'après. Faut que je fasse une mini pause parce qu'après. Putain, il est déjà à 196 points, par contre, Miles sur Gremlins 2, ouais, il a pas la même stratégie d'entraînement, il fait un gros temps, et puis après... Miles et Naruto, ils sont à 9 minutes 20 et quelques. Ils sont à égalité sur les points, 9,22 et 9,26. Waouh. Ah la vache, hein. Je galère beaucoup avec Midi 57. Ouais, c'est un jeu... comment dire, qui est marrant, parce que le routing, il change complètement en fonction du niveau que t'as. C'est ça. Et quand tu prends toutes les boutiques, tu te fais un petit 16-17, et petit à petit, t'enlèves une boutique, t'enlèves 30 secondes à chaque fois, et quand tu fais plus qu'une boutique, tu peux être en dessous des 10 ou des 9 même. Mais... Et voilà, c'est qu'il faut vraiment réussir à gérer le jeu pour pas mourir, parce que du coup tu prends pas de crédit en plus. Là. Ah, c'est chaud. Ouais. Ouais. Bon bah en tout cas, je te remercie beaucoup du coup.
Y a pas de souci. Du coup, là, c'est bon. Là, je suis motivé. Là, je suis sur les rails. Tu m'as permis de me mettre sur les rails, donc du coup, je vais objectif gold partout. Voilà, gold partout. C'est un bon début, ça. Après, il faudra réussir à les enchaîner. Ouais. Mais je pense qu'avoir des gold partout, après, on peut les enchaîner. Y a même pas besoin de faire des temps d'ev. Non, t'es pas obligé. C'est vraiment. Même si tu fais pas des gold partout quand tu fais tes runs. Quel petit. Amilet, le tier 6 est gratuit, sauf sur Portal. C'est ça, le joueur de Ligue 1 qui vient parler. Ah là 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 là. Portal, ça va être très très dur. Powerfall, c'est combien? C'est 50. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait 5. Ouais, il y a le Chamout qui a fait 50 d'ailleurs sur Towerfall. 5 combien? 5-30. Il a fait pile le tier 6. Ah bah c'est bien. Ouais. Il a vraiment bien bossé le jeu. Ouais. Après Ninja Gaiden 2 passe en dessous de 12, c'est quand même assez dur. Faut vraiment ouais. Pas mourir. Ouais, carrément, c'est chaud. Hein. Portal, ça va être très très compliqué, je pense, de passer en dessous de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Bon, ça va être un peu le Metroid Zero Mission, quoi. C'est en gros, ça va, tu fais 190, c'est bien, 195, c'est très très bien, quoi. Bon, Doom 2, faut réussir à finir le jeu. Oui, non, mais c'est ça, mais non, même moins, hein. Franchement, tu fais ce que je fais, t'as 180 points déjà, si t'arrives, termines le 26. Hein. Ouais, pour le moment, moi, je vise 25 niveaux, je crois que c'est, mais c'est à peu près ce que t'as fait, donc t'as fait 26. Ouais, c'est ça. C'est par 25, et après... Mais on verra, hein. Ça se trouve, tu vas... Ça se trouve, je vais finir en moins de 20 minutes, hein. Je pense pas. Ouais. Bon, bah en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Moi, je vais faire une petite pause, les gens, et je vais ensuite passer sur Portal. Et puis, bonne soirée, enfin, et bonne chance avec Portal. Et ben, salut, bonne soirée à toi. Salut. Alors. Alors le truc c'est que je vais remettre de la musique plus calme en fond, parce que comme je disais tout à l'heure, j'écoute du rock en fait, mais rarement en stream, parce que ça me repose beaucoup moins le rock. Vous voyez? Alors je vais peut-être... On va mettre un petit peu de jazz. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme truc de jazz? Allez, on va mettre du Dave Holland pour terminer. Du Dave Holland, voilà. J'en ai déjà mis, bon là j'ai pas le temps de chercher un truc plus original. Voilà. Petite pause et voilà, et on va revenir peut-être avec 5-10 minutes de retard avec la dame, mais... Voilà. Ah! Birbip, tu sais coller? Bah, je te donne les sprites de mon visage si tu veux. Les sprites, tu peux partir de ma photo en noir et blanc qui est affreuse. Que tu trouves partout. Mais sinon, je te chopperai ça. Je crois que j'ai. Si c'est bien à toi que j'ai envoyé un message Twitter, je crois. Si je me trompe pas. C'est pas pour tout de suite, déjà que pour l'instant il y a que des bénévoles qui organisent. Il faut qu'on trouve de l'argent pour financer le décathlon. Parce qu'on est nombreux et voilà quoi. Donc pour l'instant c'est un peu ça qu'on réfléchit à ça quoi. Voilà. Ok, bon des bisous à tous pour ceux qui restent pour voir Cladol et Portal. Allez, bonne nuit à ceux qui s'en vont. On a 10 minutes de pause là.